Salut à tous et à toutes, ici Ranulf sur Gravity Rush 2. Nous sommes arrêtés après avoir vu le méchant vilain revendeur de gemmes Vovo, si je me souviens bien. Ou ouais, Vovo. Donc aujourd'hui, on va commencer par aller voir Sid. Car c'est ce que nous est demandé. Tout simplement. Le Sid, le mytho. Qui peut bosser, mais non, qui passe à sa place. Voilà quoi. C'est devine qui vient d'être payé. Super, je suis surpris qu'il ait de l'argent pour nous. En concernant cette histoire de remplacer entièrement la cargaison. Et concernant. Je doute que ça ravisse Lisa. Mais ça m'a parlé d'une rumeur concernant un gros filon caché. Le parsemant des terres interdites. Ceux qui suivent ces enseignements seront récompensés. Comment tu sais ça? Eh bien, j'avais un peu de temps libre vu que je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. J'ai donc tué le temps en lisant des livres dans le bureau de Lisa. Mais qu'est-ce qui s'appelle les terres interdites? Ce n'est pas sans raison. J'y ferai bien d'en parler à Lisa. Repère de mission. Lorsque tu peux commencer une mission, un repère en mission, deux missions apparaissent sur la carte. Accepte ces missions pour continuer l'histoire. En plus des missions, il existe des missions annexes avec leurs propres histoires et des défis où tu dois atteindre des objectifs pour obtenir des récompenses. Rends-toi aux différents événements qui apparaissent en plus. Ok. La carte. Ça, c'est du mignon sans secondaire. On va faire ceci. J'ai déjà fait, j'ai déjà vu la carte, je sais comment faire, merci. Poupée rêvée, poupée céleste. Commencez. Suivant. Angel, tu es si belle avec tes magnifiques ailes blanches. Tu ne te ressembles pas, moi je suis une trouillarde qui embête tout le monde. Je suis pas là, sa poupée. Ceci, quoi de neuf, tu fais quelque chose? Eh bien, Lisa m'a demandé de nettoyer le poulailler. Tu as besoin d'un coup de main? Non, je peux me débrouiller, je dois le faire moi-même. Très bien. Ceci, la porte est ouverte. Oh. Ah, c'est échappé. Ok. Je vais m'amuser à l'attraper. Si, on dirait plus, je vois. Je vais l'attraper, d'accord. Voilà. Ouf, t'as failli tomber, petit canard. Oh non, les autres canards se sont échappés à leur tour. Oh, j'ai si peur en te voyant sauter que j'oublie de surveiller les autres canards. Et l'un des canards a volé Angel. Je suis censé la protéger. D'accord. Attends ici pendant que je rassemble les canards et que je retrouve ta poupée. Merci. Cherche les 6 canards disparus en cherchant dans le village à écoute. Bien. Si tu entends un canard, c'est qu'il n'est pas loin. Tu l'attends pratiquement un canard. Ok. C'est pas une mission précédente tout ça. Canard, est-ce qu'ils sont en vol? Est-ce qu'ils sont dans le sol? Ah ah, je t'ai vu. Et de 1. Heureusement qu'elle fait le stream parce que moi j'entends pas. Désolé. Ah, je t'ai vu. Ouais, je suis pas bigleux. J'ai pas rêvé. What? Salut, Sid.
Ah, c'est un cochon ça. Le canard, je l'ai entendu ici. Il n'a même pas fait exprès de trouver. Plus que 3. Ça, ça va pas être très très compliqué. Il y en a un là-bas, ça je sais, mais est-ce qu'il y en a ici? Ok, ils ont pas fait exprès. L'autre, il est là-bas, ouais. Mais prends-le! Oh, tu... m'as fait de ces trucs. Voilà, plus qu'un. Par contre, je me demande juste ce qu'il peut être. Là, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ici, peut-être? J'ai cru entendre. Les yeux, les... Ah bah, je suis débile. C'est qui le ce canard. Ah. Merde, ah, je me suis planté. Piu, j'ai récupéré tous les canards, mais j'ai pas trouvé la poupée. Ah. Et voilà, Angel, la poupée de ceci. Ça doit être le canard qui s'enfuit avec. Méchant canard. Ceci, j'ai retrouvé dans un canard. Et ça. Merci beaucoup, Kate. Pardon de t'avoir causé des soucis. Ne t'en fais pas. Je fais toujours des bêtises sans le vouloir. C'est pour ça qu'on s'entraide. Les canards sont tous rentrés. Ta poupée est là, tout va bien. Et elle est super, cette poupée. On dirait qu'elle est très spéciale pour toi. Je n'avais plus qu'elle quand je suis arrivé à Bonga. Je ne me souviens de rien avant d'être arrivé ici. Cette poupée me donne l'impression de me connaître même quand je ne sais pas. Je sais que ça se fait de ne pas... Je sais ce que ça fait de ne pas savoir qui on est. Pas la peine de ruminer le passé. Tu es ceci, c'est tout ce qui compte. Voilà, j'ai fini. Oui, j'ai fini ma mission annexe. Un jour dans la vie de Kate. La carte. Oui, le village manga, voilà. Quand Lison va pas bien, elle noie son chagrin dans l'alcool, je m'inquiète pour elle et ce truc qu'elle boit pour tout supporter, elle devrait faire plus attention. Oui, je parie que ça ne contient rien de bon. Ouais, c'est juste une discussion comme ça, ok. Mais bon, ça peut toujours être marrant de... vu qu'elle n'a pas énormément non plus. Je vais regarder, puis on va faire la mission. T'inquiète, je suis un ouf. Regarde. Les gens, tu vas tomber. Mais comment je fais dans un trou comme ça, sérieusement? Mais ah, trop tôt. Je suis côté de toi là. On va dire. Ouf. Si seulement le monde. Quand il pleut, c'est jamais une petite averse, les problèmes s'accumulent. Si le monde n'était pas ce qu'il est, Lisa n'aurait pas à gérer tous ses problèmes. En même temps, avec des... Et si on peut refaire le monde, sans foi. T'es tout. Là, je comptais faire ça. Hop, regardez, hop, normalement, avec... Et je pume. Aïe. Ce Vogo. Ah, c'est Vogo, pas Vovo. Désolé de là. Voilà. Est une belle ordure. Je me demande ce qu'Elisa va faire maintenant. C'est toujours elle qui porte nos problèmes sur ses épaules. Si seulement on pouvait faire quelque chose pour alléger son fardeau, peut-être que Missy. Oui, on dirait qu'elle a du mal à gérer ça toute seule. Bon, ben je vais l'aider du coup. C'est parti. On va aller là-bas. Pour l'histoire. Épreuve et passage.
Bark, c'est quoi cette odeur? J'avais remarqué les petites lunettes. Chut, je travaille sur quelque chose d'important. Ne fais pas de bruit, s'il te plaît. J'ai une idée, tu connais l'état interdit. Si elle s'obtenait un gros voyage là-bas, ne nous ferait. Hein? Si elle s'obtenait un gros voyage là-bas, et nous pourrons payer Monsieur Moustache. Tu crois que c'est aussi simple? Ça s'appelle être interdite pour de bonnes raisons. Je n'enverrai personne prendre ce genre de risque. Et qu'est-ce que tu. L'espère la gravité N. J'ai commandé des choses qui feraient passer les scarabées des terres interdites pour des animaux domestiques. Et franchement, j'aurais bien besoin d'une bonne séance d'entraînement. Et. Tu n'es pas obligé de le faire toute seule. Écoute. Tu. Épreuve et passage. Épisode 3. Quête, je ne peux pas approcher plus que ça, tu peux y arriver? Bien sûr, laisse-moi gérer tout ça. Ouah, c'est dangereux. Bien l'esquive. Avec un nom comme état interdit, je m'attendais à quelque chose de plus effrayant. Mais cet endroit est vraiment étrange. Bon, je ne peux pas rester à rien faire. Hein. Je dois trouver plein de minerais. Pour là, je m'engage, je ferais bien de trouver des tablettes dont Sid m'a parlé. Ceux qui suivent ces enseignements seront récompensés ou un truc du genre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que je dois commencer par l'île en face. Trouver une tablette. Ouah, ça. Elles sont pas très discrètes. Peut-être que c'est ce que Don Sid a parlé. Ouais, j'ai inversé les mots, mais ça. Il écrit quelque chose ici. Terra ses ennemis et la boîte sera révélée. C'est une façon bien compliquée de dire qu'il faut se débarrasser de tous les ennemis. Ouah, raté. Coup de pied gravisé, protéger du coup de pied de champ en pesanteur, mais les mains d'attaquer des ennemis rapides. Lorsque tu essaies de toucher avec un coup, tu prends ça. Attends qu'il s'arrête avant d'agir. Tu esquives, évite de rester. Évite aussi de rester immobile au même endroit. Esquive, protéger les autres. Ok. Comment il m'a arnaqué? Oh la blague! Elle m'a fait du texte ses esquives. Défi remporté. Oh! Mais ça fait comme moi mon truc! Arrête de faire même bruit que moi! Elles ont bougé et il y a notre île. Terra ses ennemis, j'avais raison, cette tablette te veut dire que j'ai mis les ennemis. Je ferais bien de suivre les instructions prodiguées par cette tablette. Il est temps de trouver la prochaine île et encore plus de minerais. Désolé. Tablette de pierre est directionnelle. Termine les défis inscrits sur la tablette de pierre pour continuer à explorer les failles. Le défi ne consiste pas toujours à éliminer les ennemis et tu t'oublies à quoi ça consiste le défi. Ah, ok. Regardez. Ceci. Et comme moi. Ici. Regarde. Dans le cœur. Voilà. La couleur et tout. On voit les veines de mes mains, ça. Extrait tous les minerais. Ah, pardon. J'ai pas pensé. C'est quoi ça? Annonce 17. Toutes les annonces.
Obtenu, voilà. Tu peux utiliser en appuyant sur 1 en ouvrant le mode photo. Ah, mais ça, c'est les tenues que j'ai eu dans le 1, ça. C'est quoi ça? Ok, la photo. C'est tout ce que j'ai eu, d'accord. Nouvelle, ah, d'accord. Mission. Ah, l'entrée, ok. Je vais utiliser le mode photo, mais bon, moi, ça va. Je ferai ça après l'histoire. Enfin, après la mission. Ou en vidéo. Peur ce petit truc. Oh, je suis trop loin, ma grande. Allez, plus. Encore un de ceux-là. Oh. Putain, je vais taper eux. Hop, il me reste plus que. Qui sont juste là. On prend de la tête. Wow. Ok. Tout est devenu noir. Je fais bien de ne pas pencher tout bourré. Miaou. Wow. Je suis paumé dans ma tête là. Défi reporté. Bon, apparemment, il n'y a pas de machin. Ouais, je suis là pour continuer. Oui, oui. Comment se la pète à être sur le dos comme ça? Neutralise les minutes sans avoir sa gravité. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Bien. Je croyais esquiver, soit de fou. Ah, ça me donne des idées tout ça. Longer, lancer perforant et jauge de SP. Macharo, 20 secondes, même lorsque tu n'as rien dans le champ. Hein. Poser un peu d'énergie dans la jauge de SP afin d'effectuer le lancer perforant. Les objets proximité sont attirés dans un vortex, tu pourras lancer pour infliger beaucoup plus de dégâts. Enfin, beaucoup de dégâts. Le vortex transporte les ennemis les plus faibles. Ok, d'accord. Je ne sens plus parce que tu as subi des dégâts. Ok. Ah d'accord, c'est stylé. J'aime de SP, on sait dans ce. Ok. Ah c'est stylé, c'est lancé. C'est nouveau ça par contre par rapport au 1. Wow. J'ai fait qu'il n'y a plus rien. Ah, un truc d'énergie là je vais prendre. Je me suis un peu attaqué. Ah ça va, ça y est, quand même quelques nouveaux trucs. Désolé, les décors là, franchement. J'avoue que j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que ça va être comme défi?
Maîtresse Menée prend garde au brouillard. Merde, je suis planté. Ouais, sérieusement. Plus qu'un ennemi. Et je sens que... Ah, j'ai pris cher, je crois. J'avais oublié le brouillard. Donc je suis là, j'ai remercié les gemmes. J'ai vu une jauge de SP quelque part. Ouais, j'allais dire. J'ai eu de la chance. Défi remporté. Ok, c'est parti. Nouvelle île. Wow. Avant tout, je ramasse les gemmes. Refilons. Trop vite. Apporte-moi cet objet pointu. Donc en gros des cactus, les cactus. Que 3. Ah. Voilà, 7, plus, enfin 5 plutôt. Plus que 2. On prend la tête avec les mobs, hein, sinon je sais qu'on s'en beaucoup. Vite, 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 vite. Et voilà. Putain, ils sont beaucoup plus. Un genre flippant, les névis dans celui-là. Bon, ah, j'ai pas vu la trace violette. Pas les sardeuses. Tu doules. Ouais, je vais pas m'amuser à faire tout le tour comme ça. Ah, rapidement mes ennemis, d'accord. C'est un indicateur d'accès à un plus au train pour ce jeu. Ok.
sais pas ce qu'elle m'a fait, mais bon, c'est chelou. En gros, c'est un tuto pour attaque spéciale, ce truc. Ah, mais... pas franchement, mais je... Et puis, il n'y a pas de gemme, là. Oh merde! J'ai dit joker. Je veux que je regarde pas l'écran. Fonce pour extraire le minerai avant qu'il ne... que l'île ne coule. Oh, il y en a beaucoup. Comment tu es déjà? Plus que 10. Ça, j'ai fait le défi, c'est sûr, mais je... merci, ça t'avait deviné. Water, j'ai plus de temps. Alors arrête ta blague, Water, j'ai plus de temps. Ok. Tu es chouette. Thank you. Wow, c'était chaud. Wow, c'était serré. Ouais, il y a combien de tablettes à faire tout ça là-haut? Je crois que ça va être la dernière, ça va être une glissade rotationnelle ici. C'est-à-dire atteint la zone avant la fin du temps. Suis le chemin et enfuis-toi.
glissade. Ah. Lorsque tu mets le 2 sur le sol, tu peux lancer une glissade artificielle. Ah, c'est plus les deux. Lorsque tu fais une glissade artificielle, tu glisses entre le sol et le mur. Là, pour diriger pour la caméra, encore pour ce temps glissant, L2 pour lancer une glissade. Ok, lorsque tu sais. Ah. Oh, faut que je reste appuyé, bah oui. Ouah, ça se prend aux yeux. Raté. Ça, c'est pas très très compliqué. Ouais. Ça peut être très rapide, hein. Mais bon, je pense que je pourrais améliorer la vitesse. Oups, pardon, je m'a se cogner. Ah. Bon, ça va en fait. Pourquoi je suis tout dessus? Apparemment, je prends pas de dégâts. Ouah, l'esquive! Et voilà, je suis un ouf. Défi remporté, mais oui, bien sûr. Ah, je pense que là, c'est la dernière rive, vu tout le minerai qu'il y a. Je ramasse tout ce qu'il y a là. Mais est-ce qu'il n'y a que du minerai comme récompense? Là, la bonne question. Mais il y en a beaucoup, ça je le cache pas. Et à mon avis, s'il y a tous ces trucs en haut, c'est peut-être pas pour rien. Allez, on est chaud. C'est pas très passionnant. Allez, on va aller de l'autre côté. Et je le savais. Ah, un minerai, ça serait des névis. C'est passé du vert au... Bon, là, c'est forcément un boss. Wow, il est stylé. Je peux prendre les gemmes, sérieusement. Et hop, ce fameux coup de grâce. Tant ce coup de grâce. Attaque le super Neko de la poussière. Wouhou! Tadam! Et les autres gemmes là, je me suis fait arnaque! Elle a dit aucun problème, c'est de la bonne qualité, elles ont réussi. J'espère que tu as bien vérifié un seul, tu as bien vérifié un seul défaut. Et ça te retombera dessous, c'est bien clair. Il a raison, aucun doute, c'est du minerai de première qualité. Hein? Bon, alors, Bobo, à conclure. Prêt à conclure à faire? Qu'est-ce que tu as bien... Où est-ce que tu as bien pu trouver ce genre de minerai?
Je crois que je vais garder ce petit secret de manga pour moi. Et alors là, trop fort. Bon, moustache ne nous abattra plus maintenant, enfin pour un bon moment. Et regarde un peu, ça brille tellement, il y en a encore plus là d'où ça vient, suffisamment pour vivre sans problème pendant un bon moment. Vraiment, c'est de là son frère, il ne se ressent pas du tout. Il ne sait pas faire de sang, qui ça, Kizako, hein? Qui ne le sont pas? Les terres interdites, attends, attends. Les terres interdites derrière la température tout seul. Est un monde étrange, c'est une faille. Après avoir apporté un gros butin de cet endroit étrange, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer tous les trésors que nous avons découverts, mais j'ignorais que Vogo préparait un défi encore plus difficile. Ah, comment se dit-il? J'étais sûr et certain qu'ils n'allaient pas pouvoir respecter leur part du contrat, ce sale petit rat. Tu peux rien y faire, si tu tentes autre chose, ça se retournera encore contre toi. En tout cas, il y a quelque chose qui se cloche avec cette fille. Une idée d'où elle sort. Une super attaque. Santé maximum, hein. Tu as obtenu mon point de hein. Équipe le bon, le talisman. Ah, c'est nouveau ça. Quel peut s'équiper de talisman pour tenir différents pouvoirs. Pour s'équiper de talisman, appuyez sur option. Et sélectionne le talisman. Tu peux équiper ta talisman. Tu peux équiper ta talisman. Dans chacun des emplacements différentes formes, tu peux t'équiper ou retirer le talisman quand tu veux. Quête revêtement des talismans lorsqu'elle extrait du minerai, mais elle ne peut pas. Ah, mais elle peut aussi obtenir en tant que récompense d'événements ou lors de ce trésor. Pour la mine, les talismans sont tenus lorsque Quête apporte des pierres de talismans afin qu'elles soient évaluées. Pour te rendre vers l'exploitation minière, par la bisaille qui se trouve généralement près du bateau avec la grue. Ouvrir le menu, talismans. Elle a plusieurs formes, d'accord. Augmente la vie maximale, là. Ouais, c'est bon ça. Elle a deux fois. Ah, d'accord, c'est ça, deux fois. Ok, c'est ça, c'est. Donc, il y aura un talisman en forme de lune et sûrement un talisman en forme de ce que semble être, je sais pas, une fleur. Tu équipes un talisman. Ça y est, je fais, voilà. C'est donc ici que nous allons nous laisser. Quelques missions annexes, il y en a une nouvelle, ok. Ah oui. Je fais comment? Si je fais, non, si je fais ça, je fais tout au gars. Oui. J'en apesanteur. Ouais, ça je sais. Ouais, oh, je serai prêt. Donc je disais, on va faire amélioration. Je vais un peu améliorer ceci. Voilà. Toc spécial, champ de pesanteur. Ça, si je vais m'amuser. Ah bon, pas, je vais pas tout de suite. Voilà. Donc c'est sur ça que nous allons nous laisser pour cette vidéo. Je vous dis donc. Abonnez-vous, pouce bleu si vous avez aimé bien sûr. Et on se retrouve pour la prochaine. Au revoir à tous et à toutes.